équipe Francis Lévesque en tant que bon chef cuisinier français et Wolfgang se combinent très bien. Wolfgang, moi, ben voilà, lui, il sait comment ça fonctionne sur un bateau. Même si on fait les recettes ensemble, lui, il a l'expérience nécessaire pour justement pour la technique des cuissons, tout ça en grand volume. Croisière de France nous a sollicité pour finalement donner un avis sur les plats qui seront proposés à la clientèle de ces croisières. On va prendre des notes sur chacun des plats. Les plats qui nous auront le plus satisfait seront labellisés Gomillon. Moi, j'imaginais qu'il était grillé. Ouais. Le pain, en fait. Donc tu vois, là, c'est une proposition, mais ça sera pas ça le résultat final. Je pense qu'il faudrait le pain, il faudrait faire griller, non ? Il sera juste toasté, mais pas vraiment toasté. Il sera juste passé sous la salamande avec la moutarde. Ces deux derniers jours, j'ai dégusté une dizaine de plats. C'était aussi un échange. Évidemment, il ne s'agit pas de sanctionner le chef. Il y a aussi des contraintes techniques assez importantes sur un bateau. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est possible de servir des plats gastronomiques sur un bateau de croisière où on a, je crois, plus de 1500 clients à contenter matin, midi et soir. Alors là, vous avez un petit risotto de pâtes et avec des Saint-Jacques en brochette, cuit avec juste huile d'olive et un petit peu d'herbe au milieu. Il y aura deux Saint-Jacques. Alors, j'ai préféré acheter une meilleure qualité Saint-Jacques que d'avoir des toutes petites. Et quand tu les cuis, c'est de l'eau, ils sont caoutchouc et tout. De toute façon, on sait que sur le bateau, s'ils revolent un autre plat, ils savent qu'ils peuvent reprendre un deuxième. Même au restaurant, désire un deuxième plat, elles peuvent. Gomillon, à l'origine, c'est la promotion de la cuisine aux cuissons raccourcis, une cuisine plus légère où on va bannir la crème, où on va bannir l'usage de la farine, des produits les plus frais possibles, des cuissons respectées, toujours le respect du produit. On est très rigoureux sur la qualité des produits. Je peux recevoir un seul produit avec quatre fournisseurs différents et je choisis le meilleur des quatre. Francis, c'est un chef qu'on suit chez Gomillon depuis déjà de nombreuses années. Hein. Il est présent dans notre guide sélectionné chaque année avec des commentaires tout à fait positifs. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les bases de la cuisine française classique. Assez facile à comprendre finalement, peut-être pour le client, mais voilà, le plaisir est immédiat, les tarifs sont maîtrisés, le rapport qui a été pris est excellent. Une fois qu'on est à bord, tout est déjà prêt, 3-4 mois en amont. Ça c'est important, on ne peut pas se permettre pour servir 1500 passagers d'arriver sur le bateau et de dire voilà, je fais ça aujourd'hui. Ça paraît compliqué, mais c'est le plat le plus simple qu'on ait fait de tout là. On va juste changer pour le bateau, on va prendre les assiettes de pâtes. Ok, ouais. Hein, c'est des petits Saint-Pierre qu'on va prendre comme ça, ça nous permet de mettre du basilic entre les deux, donc ça peut être fait le matin. Mm-hmm. On se met effectivement à la place des passagers, le soleil en moins. Voilà, je vais payer telle somme pour une semaine de croisière. On promet une cuisine gastronomique puisque Gomillon apporte son label sur cette carte. Est-ce que la promesse est tenue ? Voilà. Et donc c'est vrai que sur la grande majorité des plats que nous a proposé Francis, la satisfaction pour moi était tout à fait au rendez-vous. À la fin, quand on goûte l'assiette, c'est pas forcément terminé ou alors on critique un peu et justement il change. Et à bord du bateau, ça sera avec une fiche technique et recette bien précise pour l'exécution à bord, sera parfait. Tu vois, on les a snackés que d'un côté, après je les ai repassés au four. Moi, j'ai fait comme si on était sur le bateau, on en a cuit un peu plus. Il faut que je regarde les temps de cuisson, il faut que je fasse tout ça pour mettre sur la fiche technique après. Je suis souvent sur les premières croisières, quand la saison démarre. Et après, j'y retourne un mois et demi, tous les un mois et demi à peu près, pour voir si tout est calé et tout est bien. On peut très bien se faire énormément plaisir sur un cendre tout bête, comme sur un plat où on aura du caviar et des truffes. Ce qui compte, encore une fois, c'est que le produit de base soit bien choisi, soit frais, que les cuissons soient maîtrisées, que le produit soit bien respecté, que ça ait du goût. Là, c'est un petit filet de cendre avec une petite fenouil cuit, zeste de citron, lit avec un tout petit peu de béchamel. La béchamel, c'est à bord, vous la faites comment On l'a fait... Vous la faites réellement Oui, on l'a fait réellement. C'est vrai ça, ils savent très bien faire. Et moi, je vais éviter les roues, les farines, oui. Les choses comme ça. Je préfère lier avec la béchamel ou les sauces sont liées avec la purée de pommes de terre. Et on arrive à avoir des choses plus légères. La sauce, c'est très bon, vraiment. Merci. C'est très, très agréable, c'est équilibré, pas trop acide. On veut un peu garder les tendances actuelles en France et aussi écouter les commentaires des clients et on adapte chaque saison. On a eu des plats qui étaient vraiment très intéressants. Des poissons,
de qualité, bien travaillé, de très jolis légumes, croquants, voilà, comme on les aime aujourd'hui, comme ça doit se faire, selon moi, selon Gomio aujourd'hui, comme ça doit se servir. Voilà, du plaisir, aucune lourdeur ressentie à la fin, bon, voilà, c'est un bilan très positif. On reçoit un rapport avec des ponctuations et des commentaires écrits, positifs et négatifs. Heureusement, on a plus de positifs que négatifs, donc ça, je suis très content. Et merci à toutes les personnes qui font ça à bord. Mais les négatifs, bien sûr, on prend en compte pour savoir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît dans mon métier en général, c'est qu'on donne du service, du sourire, et ça se voit et ça se note. Et je suis très content, c'est parfait.